La première chose à faire avant d'ajouter vos produits, c'est d'ajouter vos catégories de produits. Donc pour faire ça, on va aller dans Produits et ensuite Catégories. Pour cette boutique, j'aurai deux catégories, une pour les montres pour hommes et une pour les montres pour femmes. Je vais donc créer ma catégorie des montres pour hommes. Okay. On peut laisser le slug, la description et la miniature vide comme ça par défaut, c'est OK. Vous pouvez ajouter des informations si vous le souhaitez. On y reviendra de toute façon plus tard dans la vidéo. Ensuite, on ajoute une catégorie. Et je vais ajouter ma deuxième catégorie, montres pour femmes, et ajouter une catégorie. De cette façon, vous pouvez ajouter autant de catégories que vous voulez pour vos produits. Vous pourrez toujours revenir ici ultérieurement si vous le souhaitez et ajouter des nouvelles catégories sans aucun souci. Vous devez aussi toujours garder cette catégorie par défaut non classée qui sera en fait appliquée à tous vos produits qui n'ont pas de catégorie. Il faut que tous nos produits soient dans une catégorie. Et donc, c'est important de la garder. Voilà pour les catégories de produits. Maintenant, on peut ajouter nos produits.